Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 20e épisode sur The Last of Us 2. Et rappelez-vous, on venait d'éliminer tout un tas d'ennemis qui étaient, il me semble, des wolves. Tout ça pour voler ce petit bateau. Alors on va s'empresser d'aller le voler, comme j'avais dit précédemment. Et puis on va se diriger vers l'aquarium en quête de Tommy. J'espère que vous allez bien. Ah, petite balle ici. Ah, il y a des nouveaux trucs. Sympa le petit fusil qui est passé dans le sol. Ok, ça peut être cool. On va se recharger les petites armes, je sais pas. Je pense pas qu'on puisse utiliser un fusil à pompe sur un bateau, tu vois. Ça m'étonnerait. Ouais. Voilà. Et du coup, j'ai un doute si toute ma période de fouille, après que j'ai coupé le record sur le 19e épisode, est servi à grand chose. Puisque là, je vois que je ramasse pas mal de trucs au final. Ouais. À mon avis, ça pas trop garder en compte, genre vers là-bas, là, qu'il y avait des trucs à ramasser. Donc on va vérifier. When now? Comment je vais? Ok, je suis obligé de passer par l'eau. Ah non! Ah non alors, je venais tout juste de me sécher les cheveux. Ouais, il y a déjà des trucs que je vois briller au loin. Voilà. Putain, 2 balles, ça fait le café quand même. Ça peut nous sauver contre un clacker. 7 balles, regardez ça. On est bien, non? 9 balles. Oh, yo, 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 yo. Combien? Ah non, ça c'est pas, c'est pas des munitions, ça. There's not ammunition. Ouais. Ça, c'est nickel. C'est pour cette arme-là. Qu'est-ce qu'il nous reste à fouiller encore? J'ai des doutes. Je fais des proutes. Et le bateau est juste ici. Hop. Et voilà. Allez, s'il te plaît. T'es mort. Cool. Alors, conduire, ok. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aurait jamais pu faire ça en infiltration. Bah, je vais où, moi? Là? D'accord. Ok, ça m'a l'air... Ah putain, c'est comme les véhicules sur... Oula, 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 oula. La caméra. Je sais plus quel jeu nous propose un système. Je crois que c'est les Far Cry. Pour conduire vraiment les... Même les voitures, les trucs comme ça. Ça va. Y a personne derrière. Faut juste pousser sur l'avant. Où est la grande roue? Ouais. C'est vrai, ça. Où est-ce qu'elle est, cette grande roue? J'espère qu'on peut faire des bons demi-tours après. Parce que moi, j'ai tendance à m'engager un petit peu. Ok. Bon. C'est pas grave. C'est assez maniable, en fait. Pour tout ce qui est demi-tour, entre guillemets, rapide. Je dois pouvoir franchir ça. Ah, tu veux franchir ça, toi? Ouais, mais imagine. Imagine, on peut plus faire demi-tour. Ok, là, il y a quelque chose. On va fouiller. Hop. Ok, c'est bon, il n'y a personne. Ah, je vois des trucs au loin. Très bien. Ça, c'est beau. Ça, c'est bien. Ça, c'est le gentil. Alors, 21, c'est très peu. Attendez, ça me gratte le dos, là. Voilà, là, on est bien. Ah. C'est cool quand on peut se gratter le dos en étant souple. C'est un véritable plaisir. Enfin, je préfère en profiter tant que je suis assez jeune. Parce que si après, plus tard, il me faut un grattoir, c'est chaud, c'est chaud. Ah oui, la barrière. On va prendre un petit peu d'élan, j'imagine. Ça pourrait être cool. Par contre, attendez, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas tirer en bateau. Donc ça, c'est plutôt rassurant, entre guillemets. Voilà. Et maintenant? Ok. On peut continuer par là. Ok.
C'est pas du tout le sens que je voulais. En fait, il faut se mettre à l'opposé. Si je veux aller à la gauche, il faut que je pousse. Que ça passe. Ouais. Bah apparemment tu vois des choses avant moi toi. Ah tu veux aller là. Ok. Bah je pense que ça passe hein. Dans tous les cas on n'a pas trop le choix là dessus. Et maintenant. Bah maintenant on a le droit à une petite énigme. Bien. Alors, va falloir trouver. C'est par là que ça se passe. Bon, alors, c'est compliqué. Je me suis réveillé il n'y a pas longtemps du tout. Tout ce qui va être réflexion, c'est pas tout de suite, tu vois. On a ça. J'ai pas l'impression que ça m'aidera forcément beaucoup. Ouais. Ah voilà. Mais attends, je l'emmène où du coup? Pas par là en tout cas. T'imagines Zor? T'imagines s'il faut que je le mette sur mon bateau? Salut. Beth, si tu lis ça, c'est que je me suis fait buter. J'espère que c'était pas un enfoiré de Scars, mais quelque chose de plus classe. J'espère surtout que tu te rappelles où on a planqué nos réserves. Le code, c'est nanana, c'est pas grand chose. C'est tout ce que j'ai. Prends tout et prends soin de toi. Randall. Eh ben, Randall. Eh bien, Randall. On peut pas passer ici. Non. Non, 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 non. Bon. Il faut trouver son coffre. Tiens. Là, voilà. Fais voir un petit peu, qu'est-ce que t'as écrit. Oh bah oui, tu te mets à dessiner. Ah mais je t'ai supplié d'arrêter, tu ne veux pas t'en... Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Ouais, est-ce que ça aurait vraiment changé grand-chose, tu vois. Parce que dans tous les cas, il aurait fini mongol. Hein. Enfin... Ouais. Ah ouais, pas mal. Tiens, okay. Tiens. Où ça mène, ça? Je sais pas. Du tout. Ah oui, ok. Et là, il doit y avoir un coffre-fort, c'est ça? Oui. William Sorin. Ah, j'ai déjà oublié le code. Super. Alors. 70, 12, 64. Ouais. 70 12 S64. Hop, un petit peu trop poussé. Yes. Yep. C'est bon, ma mémoire commence à s'améliorer là. À chaque fois j'ai peur d'oublier juste devant et de faire putain c'est quoi déjà. Et que ça finisse jamais. Ok, bah avec tout ce qu'on a ramassé, on peut rien crafter. Bien dommage. Mais c'est vrai tout ça, pourquoi au final? Je suis venu ici juste pour un bout de torchon là? Mais non. Ah bah non, quand même pas. J'ai dû oublier quelque chose. À moins que ce soit uniquement pour ça. D'accord. Ouais mais ça, comment je fais? C'est tout ce que je peux te dire mon gars. Il aurait peut-être fallu qu'on soit deux. Voilà. Ok. On se dépêche un petit peu au cas où. Si ça nous tombe sur le coin du bec. Non, c'est bon. Ah. Ah, j'ai peur quand on approche de la roue. Des configurations alternatives pour le bateau sont disponibles. D'accord.
Est-ce qu'on a vraiment des choses sur la gauche? C'est parti. Non, j'ai pas l'impression. Voilà. On va essayer de pas se prendre des obstacles. Ça va, c'est plutôt tranquille. Je vois pas ce que c'est ce truc. C'est une blague. Ah merde. Je me suis arrêté trop longtemps. Fallait le savoir. Hop. Ça va, t'en fais pas trop. Du moment qu'il redémarre. Tanana, je fais du slalom dans la city. Personne ne peut m'arrêter, je suis insolent. Et hop. C'est sympa ces petites balades là, hein. J'aime bien. J'aime bien. Est-ce qu'on a quelque chose là-dedans? On dirait que oui. Dans le doute. Ah! Tiens, tiens. Ok, normalement, on risque pas de se faire attaquer là-dedans. MDR, la blague. Alors, pif, paf, pouf. Capacité. Recul. Ah, je sais pas, tout est bien en fait. Tout est utile. On va prendre ça. Si on peut mettre encore plus de balles. Bon, écoutez, j'ai pris ça. J'ai pris le recul, on sait jamais. Ah, c'est sympa ça. Elle a une meilleure gueule. Eh ben, j'ai plus rien. J'ai entendu un bruit derrière moi. C'est peut-être quand elle reprend son sac. Son sac ado. Yep. J'espère que Jesse a eu le temps de se faufiler lui aussi parmi tous les potentiels méchants qu'il y avait sur la route. Ça, je vois pas si c'est ouvert ou fermé. Non. Ça m'a l'air fermé. Et là. D'accord, on peut passer ici. Je vois pas trop ce que ça nous apporte. À part le fait qu'elle enlève sec. Il y a un truc qui brille là-bas, non? Il y a un truc qui brille. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Lui aussi, il dessine. Si des wolves lisent ce message, dites à Isaac et aux autres que les rumeurs sont vraies. Il y a des nouveaux types d'infectés. Ok, n'hésitez pas à mettre la pause. Hein. Puisque de toute façon, les Chamblers, on en a déjà croisé, il me semble, au moins 4. Hein. Donc c'est plus une très grande surprise. Ok. Ah, bien ça. Toujours plus de balles. Bientôt, bah voilà, j'ai 16 balles. 16 balles, thanks to my turning back to pick up all the ammunition. Et ouais, c'était fort utile, ma foi. Vous ferez bien l'affaire. On va par là. C'est grand, hein. Chier. Quoi? Attends, le temps que je fasse demi-tour. Oh non. Ah, donc il faut que je laisse mon bateau. Non, mais là je suis repéré à milieu en fait. Comment je fais? Parce que les gars ils vont être direct sur mes côtes. Ok. On va essayer de longer peut-être. Peut-être que là on sera un peu plus discret. Je sais pas trop. Vu que c'est un grand mystère à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle zone. On va essayer de... D'accord. Toi tu m'attends. Fais voir un peu.
Fais voir toi aussi. On va essayer de rester caché en même temps. C'est bon, je vois personne en soi. À part lui là-bas. Ok. Ok, bah c'était tout. À partir de là, il va falloir... Ok, sympa le petit décor qui change là. Ah merde, oui. Du coup, je peux pas me cacher. C'est très très dur de mélanger à la fois le fait que je puisse pas vraiment me cacher et l'eau. C'est vraiment la merde. C'est la galère là. Ok. J'ai vu qu'il pouvait descendre par le coin ici. Est-ce que ça m'apporte vraiment grand chose de savoir ça? Ok, quelqu'un me voit. Ah, ici. Je le vois plus. Ouais, ouais, ouais. J'aime pas trop les séraphites. J'ai réussi à rater pas mal de balles. Putain, il est protégé par le rétro du camion. Quel champion. Ok. Bon bah lui il arrive. Lui clairement il veut prendre sa dose aussi. Ah bah ouais. C'est con hein. C'est con mais c'est la noyade. Bon écoute, ce que je te propose, je peux pas crafter en plein combat. Bon, ça paraît logique. Il y a toujours la musique. J'en entends pas d'autres. Où était l'autre ? Ok, on va vérifier vite fait la zone, il en reste un ici. J'ai entendu qu'il parlait avec quelqu'un. Il a l'air de venir par là. Non, il bouge plus. Ils ont peut-être des escaliers en fait. Vu que je connais pas la configuration du bâtiment. Pilote, j'ai pas pu le fouiller là. C'est assez regrettable. Ok, il bouge. He's moving. Ce serait cool si on pouvait faire au moins une élimination discrète. Je pense pas que ce soit possible. Ok. Ça avance petit à petit. Attends, il y a une autre partie du bâtiment en fait. C'est assez incroyable ce truc. Bon, ce qu'on est sûr, c'est qu'on va devoir revenir au bateau tôt ou tard. Ah, tu reviens par là. Bon, c'est con, j'allais fouiller. Je te dis pour merci. Fais voir à quel point. Ouais, ça se déplace vite. Hein. Là, ils nous ont pas menti là-dessus. Plus grand chose. On va garder.
truc c'est que mon rayon là. Ouais, elle arrive. Ok. Il y en a d'autres ou pas? J'ai pas l'impression. On a eu de la chance. Parce que je m'étais encore gouré de touches. T'as rien sur toi, toi. Fini. Ok. Bon. Au moins, on peut rallumer les lumières. On peut fouiller tranquillement. Celle-ci, elle a bien mangé cher. Hein. Oh, aïe, aïe, attendez. Ça, c'est l'école du gore. Ouais. C'est vraiment immonde. Oui, c'est immonde et je regarde. Bon, ouais, cherchez pas à comprendre. Par contre, j'aurais bien aimé avoir le chauve aussi qui était là, en même temps. Pour une prochaine fois, écoutez. C'est sympa, ça, cette petite déco, là. Hmm. Ah oui, c'est pour changer d'arme, ok. Je me disais, j'arrive pas à ramasser les munitions. Bien, 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 bien. Qui est cette dame, encore? Encore elle. Ça me dit rien. On l'a pas croisé jusqu'ici, en tout cas. J'en suis sûr. C'est sympa, c'est sympa. Ce petit jeu de... Ce petit jeu de vitres. Ok, ah ouais, il pouvait passer vraiment par... par tous les chemins. J'imagine qu'il faut que je ramène mon bateau un peu plus proche. Buvez une gorgée, si vous me permettez. On est reparti. Mais alors, où faut-il que je me dirige? On a une statue ici. Est-ce qu'à ce jour, elle est encore debout, cette statue? Ça, c'est rien à ramasser, on est d'accord. Si c'est un reflet sur des nénuphars. Oh là, oh non, 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 on va pas caler ici. Bah non, ce serait dommage. Par contre, on peut y aller à pied. J'ai l'impression que c'est la fin de notre balade en radeau. Radouk. On peut monter ça? Ça a l'air un peu raide, mais c'est bon. Mon âne a bien mal à son nez. Il faut donc lui acheter une paire de Reebok. Ok. Bah alors. Qu'est-ce que... Oh là, encore une énigme. Je vais voir par là. Non. Je vais voir ici. D'accord, ah, ok, c'est pour faire le tour. Bah écoute. Peut-être que c'était bel et bien par en gros. Comme ça? Ouais, ça devrait le faire. Oh là là. Quel génie. C'était tout simple. Peut-être même un petit peu trop à mon goût. Alors. Putain, on a trop de soins en fait. J'ai presque pas pris de dégâts. D'ailleurs, je crois que j'en ai pas pris. J'avais oublié ça, voilà. It's fucking glorious. Misha. Eh bien, Misha, merci pour ces informations précieuses. On peut recharger ça. Oui, j'ai utilisé le pompe, c'est ce que je me disais. Je me suis dit, elles sont pas volatilisées. Hein. Voilà. Ah. Ah, c'est lui qu'on n'a pas fouillé. On peut se faire ça. Est-ce qu'on peut plonger? Ok, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai vu l'écran qui s'est assombri. Alors attends, c'est où?
Mais non, c'est pas nous qui l'avons tué. Nous, ils étaient plus vers une bagnole, je crois. C'était par là. Ah, il est là. Bon, il veut juste pas donner de munitions. C'est un gamin. Mon bateau, là-bas. Eh, mais c'est le monorail. Putain, je viens à peine de... Je viens de comprendre. Eh ouais. Mais il est où, mon bateau? Oh là là, mais il est trop loin à chaque fois. Trop loin, ce vil sacripant. Allez hop. Par contre, où est-ce que je vais? Là. Ah, bien vu ça. Et après je peux aller tout droit. Ok. Ouais, donc déjà rien que pour le bruit, niveau discrétion, c'est mort. Mais alors là... Attendez. Faut aller où? Sûrement pas par là. Ah, bah ça doit être là en fait. C'est tout con. Mais ça, je pense qu'on aurait pu le faire juste à la nage, non? J'imagine que oui. Attends, ça veut dire qu'ils sont jamais passés par là. Donc potentiellement, il y a des infectés. Si ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'humain. Hop! Bien ça. Pas bien ça. Ok. Là ça va être fermé. Non. Bonne surprise. Elle est assez bonne pour être soulignée. 74. Non, c'est pas ouf. Non. Non plus. Ça, ça peut être bien. Et ça, voilà. On a amélioré les armes de jet. De jet. Une bouteille, non, ballistique. Ok, ça m'a l'air d'être tout pour cette cuisine. Fais voir. C'est quoi ça? Ah oui, ok. Ok. Got it. Putain, le billard, c'est le feu quand même. Attendez, j'espère qu'on m'entend bien, parce qu'avec l'orage, je me dis, si ça se trouve, depuis tout à l'heure, je dis des choses et on m'entend pas. Ok. Bon, c'est pas très intéressant. En soi. Petit maillot, là. Ben voyons, ça aurait été trop facile. Comment? Ah. Il y a ça qui bloque. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on monte. Hop, on va garder ça à portée de main. Il y a l'air d'avoir personne. Oh. Bordel. Ah ah. Trop drôle. On dirait un titan. Dans l'attaque des titans, pour le coup, il n'y a pas de feinte en fait. J'allais dire le nom en japonais, mais je m'en souviens pas. Et si je prononce un nom en japonais qui est pas le bon, j'aurais dit Shingeku no Kyojin, un truc du genre. Ok. Celle-ci, on peut se la faire au max. Celle-ci, la capacité, ça peut être bien parce que seulement 3, c'est court. Il y a une musique dans mes oreilles là. J'ai peur. Très très peur là-dessus. Et ben c'est tout. Puisqu'on a plus que 5... plus que 5 petits engrenages. Putain de merde. Ouais. Là il s'est passé quelque chose de pas très net.
On peut prendre ça. Ça, je sais pas encore vraiment l'utiliser proprement. Non, l'allume pas ici. Enfin, un peu de bon sens. Il y a un truc qui va me sursauter là. Non. Ok, il y a ça. Je me demande à quoi ça peut servir. À part escalader en face. Oh putain, c'est dur à maîtriser ça. Voilà. Non, merde! Bah merde. Ok, il me fait assez stresser le man. Ah putain, il y en a d'autres maintenant. Oh la lourdeur du mec. En plus, il me tape des esquives. Je suis assez débordé là-dessus. Il est où? Ah la vache! Mais tu sors d'où toi? Je t'ai pas déjà tué? Ah, c'était peut-être ton cousin, remarque. Ah bah non, bah non, bah non, je peux pas esquiver deux coups moi. Hop. Bah écoute, ce que je te propose, tu manges ça. Merde, désolé, j'ai raté. Tiens, tu manges ça. Puis après, on est dans la merde. Tu me laisses le temps de me soigner, s'il te plaît. C'est pas fair play. On a plus grand chose pour se cacher maintenant. Y'a des trucs à ramasser ici, mais j'ai pas le temps. Voilà mon pote. Ouh, c'était intense. J'ai bien kiffé. Ça, j'aime bien les boss comme ça là. Eh, on n'a pas été si mal, hein. On n'a pas été non plus impérial. J'aurais pu utiliser des molotovs, mais je préfère vraiment les lâcher sur mes claqueurs. Mes claqueurs favoris, là. Bon. Maintenant que la zone est nettoyée, qu'est-ce qu'on peut fouiller? Bien. Très bien, ça. Bon, le pompe, clairement, il fait le café, hein. Je sais pas si on peut augmenter ses dégâts, je pense pas d'ailleurs. Mais il était très très bien. En plus, il va relativement droit. Ouais. Une petite planque. Bien ça. Bon, j'ai carrément arrêté la collection, mais bon. Tant qu'on peut en croiser assez facilement, c'est cool. C'est par là. Manquerait plus qu'il y ait des autres infectés qui ne m'aient pas entendu auparavant. Non. Ok. Ah, mais il y a des bars partout ici. C'est trop bien. On dirait un cyber café. Mais tu vois, en mode d'envergure. J'attends qu'elle finisse son animation, on sait jamais. On sait jamais si ça la coupe en plein truc et que je dois refaire un... Oh. Il est où mon arc? Désolé, c'est trop tentant. Hein. Je suis bien contre le mur, là? Ok.
On va tenter un truc. Voilà. Ça servait à rien. Mais peut-être qu'on aurait eu... Oh non, j'ai cru que c'était... j'ai cru que c'était des flèches explosives bizarres, là. Peut-être qu'on aurait eu un trophée ou quelque chose comme ça. Hein. Moi, je sais pas, je propose. C'est dans le coin qu'on est tombé ou... Où je rêve, en fait. C'est immense. Ouais, ils font des petites lanes. Bien pépouze, au calme. C'est tout. Ah, voilà. Là, on a des petits trucs. Ok, ok. On va éviter de retomber. Il y avait un truc sur l'arcade, là, ou pas? Non, c'est juste les côtés qui brillent. Ça scintille un petit peu beaucoup. Et les barrières de sécurité ici sont du genre incroyable. Bon. Que faire maintenant? Ah, j'ai ça. Ah, c'est tout! D'accord. Bah écoute. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est parce que ça bloquait les chaînes. Ça, c'est le problème des villes côtières. Dès qu'il n'y a plus les digues ou les choses comme ça, eh bah, toute l'eau s'infiltre dans la ville. Hop. Vas-y, vas-y. Pour une fois, il a fait le bon côté. Le bateau. J'y suis presque. Ah ouais, mais il y a des vagues ici. T'es pas prêt, hein. J'ai toujours peur de rater quelque chose, là. Ça me fait penser aux Styx. Si vous connaissez un petit peu la mythologie grecque, ça me fait penser au fleuve du Styx, qui mène tout droit vers l'enfer. D'ailleurs, je sais pas si on m'entend bien là, avec avec la flotte, le bruit du moteur et tout ça. Ok, on approche de l'aquarium. Je sais pas si je parle trop fort ou... Sans raison ou justement pas assez. Ok, j'ai cru que j'avais vraiment une cinématique. Ah merde, désolé, désolé. Bon, bah plus de bateau. Ah merde, j'ai pas eu le réflexe. Désolé. J'essaye pourtant de plonger au bon moment. Attends, mais j'arrive où là? Voilà. C'est connu, quand il y a une grande vague qui arrive. Bon, par contre, on arrive tellement loin après. J'aimerais bien aller vers cette épave, si possible. Non? Ah, tu veux pas? Voilà. Putain. Putain. C'est parti. C'est très... très désastreux ici. Je sais pas si ça se dit, mais... ça m'inspire pas l'espoir, en fait. Si c'est leur QG, vraiment... c'est pas beau. Voilà, j'aime pas. J'aime pas trop votre déco d'intérieur, les wolves. Est-ce qu'on va devoir s'infiltrer? Par contre, on n'y voit rien. Ok. Abby, où est-ce que t'es? Par là...
Je sens qu'on va se prendre un coup en traître encore. On va se faire assommer et tout. C'est parti. Arrête de dire c'est parti, c'est rien du tout parti là. Là si on tombe, t'es pas prête. T'es pas prête ma soeur. Mais ça m'a l'air d'être le seul chemin. Ça a l'air d'être ça, ouais. C'est beau quand même. Disons que... Ah, il y a une lueur d'espoir là-bas au fond. C'est beau ça aussi. C'est beau. Ok. On est à l'aquarium. Et vous savez quoi, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez kiffé ce 20e épisode. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu. Activez la cloche. Après, vous êtes abonné. Vous ne louperez aucune des prochaines vidéos. Ça, c'est promis. C'est une parole de président. En attendant, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.